les principes fondamentaux de la méthode Pilates. Bonjour, c'est Fabien du programme 66 Pilates, un programme d'entraînement en vidéo pour sculpter et affiner votre corps chez vous. Le Pilates donne des résultats extraordinaires à ceux qui le pratiquent régulièrement. Cette efficacité est due à 9 principes. Ce sont les principes fondamentaux de la méthode Pilates. Sans ces principes appliqués, le mouvement effectué n'aura absolument aucun sens. Je vous donne ici une brève description de chaque principe, mais sachez que je les ai détaillés un par un dans d'autres vidéos. Principe numéro 1, la respiration. En Pilates, vous devez respirer en harmonie avec chaque mouvement. On ne respire pas avec le ventre, on respire avec les côtes. C'est ce que l'on appelle la respiration latérale thoracique. Principe numéro 2, le centrage. L'objectif du Pilates est d'augmenter la force musculaire abdominale, c'est-à-dire le centre du corps. Dans tous les mouvements, l'engagement de ce centre du corps doit être le point de départ. Il permettra un contrôle et une fluidité de mouvement pendant les exercices. Principe numéro 3, la maîtrise du mouvement. La maîtrise du mouvement en Pilates est complexe car cette notion comprend la concentration, principe numéro 4, c'est-à-dire la relation corps et esprit. Ensuite, il y a les alignements, principe numéro 5, afin d'engager les muscles stabilisateurs. Adopter de bons alignements dans un cours de Pilates vous amènera à de bons alignements dans la vie de tous les jours. Une bonne posture, sans pression inutile sur vos articulations, associée à une respiration efficace, et ça vous amènera à de la stabilité dans la vie de tous les jours. Ensuite, il y a le contrôle du mouvement, principe numéro 6. C'est le fait de garder une partie du corps stable pendant qu'une autre partie bouge. Principe numéro 7, la fréquence et la régularité des entraînements vous guideront vers la maîtrise de ce mouvement avec une exécution précise. C'est le principe numéro 8, une exécution précise et fluide, principe numéro 9. C'est-à-dire sans à-coups et avec régularité. Je vous invite maintenant à découvrir le programme 66 Pilates et à mettre en place ces 9 principes. Le programme 66 Pilates est un programme en vidéo pour pratiquer facilement le Pilates chez soi. Vous pouvez tester la première séance de ce programme. Vous avez simplement le lien ci-dessous. On commence dans cette première séance à mettre en place quelques fondamentaux de la méthode Pilates. C'est un programme parfait pour apprendre à pratiquer le Pilates à la maison. Vous avez également le lien ci-dessous vers le programme complet. Alors, le Pilates, en bref, c'est quoi? Le Pilates, c'est une méthode de renforcement musculaire basée sur l'entraînement des muscles profonds. On renforce le dos, on tonifie le ventre, on améliore la posture, la respiration et l'équilibre. On augmente la qualité de tous ces mouvements, que ce soit dans son sport ou dans la vie de tous les jours. Et en plus, on dessine sa silhouette. Du tonus, une allure, ferme et galbée. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous et je vous dis à tout de suite pour votre premier entraînement. C'était Fabien du programme 66 Pilates. Je vous dis à bientôt.